Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis enfin de retour. Voilà, j'étais un peu absente parce que je déménageais, du coup c'était assez compliqué de faire des vidéos, de déménager, de chercher des meubles en même temps. Donc voilà, j'espère pouvoir vous faire un room tour assez vite. Ouais. Bref, du coup aujourd'hui on va voir ensemble ce que j'utilise pour mes photos et mes vidéos, ce que je fais, les retouches, tout ça, parce que j'ai eu beaucoup de questions. Et vous êtes aussi nombreux à avoir remarqué que j'utilisais des appareils photo argentiques. Donc je vais vous expliquer un peu tout le processus pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui aimeraient s'y mettre, etc. Et pareil pour les caméras que j'utilise, qui sont des caméras à cassette. Là, je vais vous parler premièrement des photos, les photos que je publie sur Instagram. Donc, la plupart des photos que je fais, enfin, qui sont réalisées sur mon Instagram, c'est des photos réalisées avec des argentiques. Bon, là, dernièrement, c'était ma copine Célia qui me prenait beaucoup en photo avec son appareil qu'elle a eu il n'y a pas très longtemps. C'est un Canon, je sais plus trop la référence, mais il est trop bien. Voilà, elle a un super appareil. Là, je vous mettrai des photos qu'elle a prises de moi avec cet appareil-là, qui est vraiment bien. Donc c'est des photos aussi argentiques, donc avec des pellicules. J'ai commencé la photo argentique en 2011-2012 je crois, et j'avais acheté un vieil appareil Praktika, donc c'est même pas, je sais même pas si elle existe encore cette marque. J'en avais deux et vraiment je les ai poncés, mais je faisais toutes mes photos avec ça et je trouvais que je faisais des photos de dingue. Ça commençait un petit peu à revenir, la photo argentique, mais c'était pas autant que maintenant. Du coup j'étais vraiment hyper contente du résultat. C'est un appareil photo que j'avais acheté au Scoot de Cluses et je savais pas s'il marchait vraiment. Je l'ai acheté comme ça à 20 € je crois, il me semble. Puis j'ai fait ma première pellicule avec et le résultat était juste dingue. Du coup bah genre j'en ai fait plein. À cette période là je faisais que la photo argentique. Quand tu utilises beaucoup un appareil, en fait après t'as envie de changer au bout d'un moment. Donc moi, arrivait le moment où je voulais un peu changer et mon copain m'avait offert pour Noël un appareil photo Canon A1, donc toujours argentique. Je vais vous montrer, j'aime trop, je fais toutes mes photos de voyage avec. Donc il est comme ça, avec un objectif 50 mm. Enfin, ça c'est vraiment les objectifs de base qu'il y avait sur les appareils à cette époque. Donc j'avoue, il faudrait que je me trouve un grand angle. Voilà, donc j'utilise ça sur toutes mes photos de vacances. Je mettrai des exemples de photos que j'ai faites avec cet appareil. Je trouve qu'il est hyper simple d'utilisation. Enfin, faut quand même bien lire la notice. Et puis maintenant d'ailleurs, vous pouvez retrouver les notices des vieux appareils en PDF sur internet hyper facilement. J'ai fait des photos des deux Célia avec ça aussi. Et le résultat est assez cool. Après, dans la catégorie un peu plus petite, parce que ça c'est quand même assez lourd, ça prend de la place, c'est pas le genre d'appareil que tu peux trimballer tout le temps avec toi, enfin sauf si t'es vraiment motivé. Moi, quand j'ai commencé en 2012, mon appareil argentique je l'avais tout le temps sur moi, mais maintenant avec le temps c'est lourd, j'ai mal au dos, tout ça, j'ai un peu plus la flemme de le prendre, donc je le prends vraiment quand j'ai des occasions où je dois faire des photos spéciales, etc. Sinon l'appareil que je prends tout le temps sur moi c'est l'Olympus XA, donc c'est lui, comme ça, et c'est beaucoup plus pratique en fait pour les photos assez vives, les photos spontanées, tout ça, c'est assez pratique. En plus de ça, il y a le flash qui s'enlève, donc du coup toutes mes photos de soirée, tout ça, je les fais avec ça. Je vous mettrai aussi des exemples que j'ai fait de photos avec, très bon appareil. Ça c'était vraiment les deux appareils photo argentiques que j'utilise là en ce moment. Sur le Olympus, j'utilise des pellicules Kodak basiques parce que souvent je m'en sers avec le flash. Après, quand je fais je veux faire des belles photos au Canon, je prends des pellicules Ilford. Après ça dépend les ISO, tout ça, bon ça faut vous renseigner un peu. L'argentique faut vraiment faire des tests, c'est vraiment qui tout double. Des fois ça foire, tu sais pas pourquoi, alors que t'as l'impression d'avoir tout fait bien correctement et tout. Et des fois bah l'exposition elle est pourrie, des fois c'est trop sombre, des fois c'est trop clair. Enfin voilà, c'est un peu du hasard, hein. Mais une fois que t'apprends à bien gérer ton appareil, et ben tu peux vraiment t'éclater à faire des photos de dingue. Ça rajoute vraiment un charme je trouve, et le grain des photos est magnifique. Donc après ça c'est lié aussi à la pellicule que tu utilises, donc il faut se renseigner là dessus Dans les boutiques de photos où ils développent tout ça, vous avez des pellicules. Vous pouvez en commander sur Amazon en lot, ça revient moins cher. À Nation, il y a un shop où ils vendent des packs de 10 pellicules à 20 € je crois, donc ça revient à 2 € la pellicule. Pour commencer, c'est pas mal. Après, si vous voulez vraiment une bonne pellicule, du grain, tout ça, faut se renseigner, mais il y a les Ilford qui sont pas mal. Par rapport au développement, donc
donc moi je développe pas mes photos moi-même, je sais le faire. Quand j'étais en bachelor photographie, j'avais un atelier laboratoire et du coup j'ai appris à développer mes photos, tout ça. Et du coup moi je développe mes photos à Saint-Paul, ils font le développement en une heure. Et du coup ils te scannent les négatifs, ils te les mettent sur CD, ils te donnent aussi les films, parce que maintenant je les fais plus en tirage. Avant, quand j'avais commencé, il y avait que possibilité de faire ça, des tirages. Et maintenant les labos ils ont presque tous des scanneuses de négatifs. Franchement c'est entre les 9-12 euros. Quand c'est du développement, la pellicule de 36 poses qui est au-dessus de 12 euros, ça fait cher, on va pas se mentir. J'ai des Polaroid aussi, donc ça ce sont des Polaroid récents. Mes copines d'Annecy m'avaient offert pour mon anniversaire je crois un Polaroid, donc ils ont ressorti plein de versions de Polaroid, vous savez il y a les petits Instax tout ça. J'ai eu la version grande qui fait des photos grandes, du coup je vous insérerai des photos que j'ai fait avec ce Pola. Ouais il est assez gros quand même. Vraiment ce Pola je l'emmenais même en voyage pour faire des photos avec, et en fait ce que je faisais c'est que au lieu d'envoyer des cartes postales à mes parents tout ça, je prenais des Polaroids de moi dans les autres pays et je les envoyais dans une enveloppe à mes parents et à mes grands-parents. Du coup ça faisait un peu plus personnalisé qu'une carte postale. Les feuilles là des recharges pour le Polaroid, je les commandais sur Amazon en pack, genre je devais payer 100 euros, donc fallait mettre les sous, mais au moins ça me revenait vraiment moins cher d'acheter comme ça en gros lot, comme ça j'en avais pour un moment. Et ensuite récemment en fait ces Fujifilm ils ont réédité des polas avec les mêmes formes qu'avant. Un pote avait acheté le One Step Plus et il l'a utilisé un petit peu, puis après du coup il l'a revendu, il me l'a vendu 50 euros. Voilà il est comme ça. Et lui par contre il fait donc les vraies photos de Polaroid à l'ancienne, vous savez les carrés. Ça revient un peu cher quand même les recharges photos et tout, genre ça revient 2 euros la photo. C'est pas l'appareil que tu utilises tout le temps, mais c'est assez sympa pour faire des souvenirs et des photos instantanées avec tes proches, ou même pour des shoots de temps en temps, c'est cool. J'ai un appareil photo qui filme très bien, donc c'est le 5D Mark II. Cet appareil photo là, je l'avais acheté à Lyon. Je m'en rappelle, j'avais trop galéré pour me le payer. Je voulais un bon appareil photo qui fasse aussi vidéo avec une très belle qualité d'image, tout ça, un grand format. Du coup, je m'étais renseignée, je me suis dit, bon allez, il me faut un 5D, c'est sûr, mais c'est super cher. Donc déjà, neuf, c'était impossible pour me le payer. Donc je me rappelle, pour l'acheter, j'avais revendu, j'avais un 550D, je crois, Canon. Je l'avais revendu genre 300, j'avais vendu mon iPhone pour récupérer un peu de sous dessus, plus j'avais économisé 2 mois sur ma paye de taf étudiant pour pouvoir me l'acheter, et j'avais acheté à une dame à Lyon, donc d'occasion, que j'avais contacté sur mon coin. Il n'avait pas beaucoup de déclenchement tout ça, elle s'en était pas trop servie, et moi je comptais vraiment m'en servir pour la vidéo parce que je commençais la vidéo à ce moment là. Je l'avais payé 800 euros, donc 800 euros déjà d'occasion c'est super cher, donc je vous laisse imaginer le prix neuf. Là maintenant il doit être moins cher parce que entre temps il y a eu, je crois qu'on est au 5D Mark 5 maintenant, mais même le 5D Mark 1 est déjà, la qualité est déjà incroyable, donc même si vous n'avez pas trop l'étude, même les anciens modèles ils sont très bien. Voilà, donc moi j'utilise le 5D Mark 2 pour tourner mes vidéos là en face cam. J'ai un objectif 50mm et j'ai un autre objectif un 18mm. J'ai des focales fixes en fait, j'utilise que ces deux objectifs là. J'ai pas besoin de zoom forcément ou ce genre de choses. Ensuite, pour les vidéos un peu plus vlog, là où je fais le tour de France des fripes, tout ça, j'utilise mon iPhone tout simplement, puisque maintenant les qualités d'iPhone de vidéo c'est en 4K, donc c'est hyper bonne qualité. Et d'ailleurs cet iPhone je l'ai acheté d'occasion, en fait moi j'achète tout d'occasion. Je l'ai acheté sur Back Market, il est garanti et c'est pas du tout un placement produit ou quoi. J'ai commandé genre un iPhone 6 250 Go, parce que moi je prends beaucoup de photos avec tout ça, donc il me fallait le plus de gigas possible. Je voulais pas le dernier iPhone qui est sorti, je m'en fous complètement, mais je voulais juste qu'il filme en 4K, comme ça j'avais pas besoin de m'acheter une caméra de vlog forcément pour le moment, je pouvais filmer avec ça. Par rapport aux images que vous voyez souvent dans mes vidéos qui font un peu vintage, rétro, enfin que tout le monde me dit oui c'est quoi l'effet que tu utilises, ce n'est pas un effet, c'est juste que j'utilise des caméras à cassette. J'ai 2 caméras comme ça en fait, sauf que c'est hyper fragile, vraiment le moindre truc, surtout que moi je les transporte toujours dans la pochette et tout, le moindre coup ça casse, ça bug, c'est hyper vraiment hyper fragile. Donc elle, vu que l'écran est cassé tout ça, j'en avais recommandé une qui est là avec une plus grosse batterie. Elle s'est bloquée, je sais pas pourquoi, genre je peux plus, elle ne se ferme plus en fait. Donc si quelqu'un sait comment réparer ça, je veux bien savoir. Je l'ai vraiment pas utilisée beaucoup, et juste j'ai enlevé la cassette et elle s'est
bloqué, voilà. Après sinon c'est une bonne qualité d'image, franchement le rendu je l'adore. Genre en France les Sony Handycam ils les revendent 300€, mais genre vraiment 300-400€, c'est des gros malades. Donc moi du coup je les commande sur eBay et souvent ça vient d'Angleterre ou des États-Unis, donc pour le chargeur il faut juste avoir un adaptateur, mais ça marche tout aussi bien et tu peux aussi transférer sur ordinateur sans problème. Donc les deux dernières que j'ai achetées elles viennent d'Angleterre. Et j'ai racheté du coup une Handycam aussi, une Sony, mais un peu plus vieille, elle est plus résistante. Et elle, je crois que j'ai acheté 60€. Et aussi j'en ai acheté une autre, donc c'est cette caméra, c'est une Sony encore. Je reste chez Sony parce que j'ai toutes les batteries qui marchent très bien, j'ai tous les câbles. Celle-ci, l'écran il est énorme. Vous voyez, genre on peut filmer comme ça, genre en regardant. Et celle-ci, elle a l'air un peu plus complexe, mais la qualité d'image, elle est trop bien. Je l'ai vue, enfin je l'ai testée un peu. J'ai juste de la recevoir en fait, celle-ci. Voilà, j'en ai acheté une d'avance parce que j'ai tellement de péripéties avec ces caméras-là que maintenant, j'ai trop peur qu'il y en ait une qui me lâche. Voilà, ah ouais, voilà, ça marche. Vous voyez mon setup, en gros. Celle-ci, je l'ai payée plus cher, je l'ai payée genre 80€. En fait, on ouvre là. Et le truc il s'ouvre automatiquement, t'as juste à mettre la cassette là. Je sais pas si j'ai des cassettes ici. Des petites cassettes comme ça, on peut les acheter à la Fnac, ils en vendent à la Fnac. Sinon vous pouvez les commander sur Amazon aussi pareil. Voilà, j'insère la cassette. Voilà. Ça referme tout seul. Donc faut pas être brusque du tout avec ces caméras là, faut vraiment... Attends, tu peux enregistrer je crois 60 minutes. Et ce qui est bien c'est que tu peux réutiliser la cassette en fait. Tu peux regraver des choses dessus indéfiniment. Même si je pense qu'au bout d'un moment le film il s'use un peu. Genre ma meilleure pote Célia, elle a la même cassette depuis genre 2 ans. Et elle utilise tout le temps la même cassette, elle a qu'une seule cassette. Et elle filme tout avec, après elle transfère sur son ordinateur et puis elle réutilise la cassette. Moi j'aime bien garder les cassettes de voyage, genre je note dessus ce que c'est et j'aime bien les garder parce qu'on sait jamais si mon ordinateur il plante ou quoi que ce soit, bah au moins j'ai la petite cassette. C'est comme les films de pellicule en fait, faut toujours garder les négatifs parce qu'on sait jamais si tu perds la version numérique, bah au moins t'as la version du film et tu peux faire des tirages etc. C'est toujours bien de garder. Après pour les logiciels, moi j'ai commencé à faire du montage sur iMovie parce que j'avais un Mac. Après iMovie en fait je suis passée sur Final Cut puisque je l'avais eu gratos, en gros on me l'avait craqué. Et j'ai utilisé ce logiciel pendant un petit moment, je m'étais grave familiarisée avec. Et en fait il y a quelques mois, en faisant la mise à jour, Mojave là, je sais pas pour ceux qui ont des Macs qui connaissent, le disque dur a planté et du coup ça a supprimé tous mes logiciels, voilà. Donc j'avais trop le seum. J'ai essayé de recraquer Final Cut mais je n'ai pas réussi parce que sur la dernière version il n'y avait pas de crack qui existait. Du coup j'ai dû me payer Final Cut 320 balles, yes. Mais bon voilà, maintenant je l'ai acheté, je l'ai pour la vie et bah, c'est un investissement quand même, c'est cher, on va pas se mentir, pour un logiciel. Mais après c'est un logiciel où je me sens à l'aise et j'avais l'habitude de travailler. Après pour les photos, j'utilise Lightroom et j'utilise Photoshop. D'ailleurs mes collages, on me demande souvent si je les fais sur Photoshop. Mes collages, c'est des vieux magazines que je récupère, donc je les fais avec mes petits doigts. Voilà, je fais pas de collage sur Photoshop. Ça m'arrive de faire des montages, tout ça, mais mes collages, c'est juste je découpe et je colle et j'en fais des petits tableaux, je les encadre, tout ça. Photoshop, j'utilise pour faire les miniatures, j'utilise pour faire des logos, des trucs, voilà, quand j'ai besoin de faire des choses particulières avec. Par rapport aux applications que j'utilise sur mon téléphone, alors en fait, ce que je fais maintenant, c'est que je me casse plus trop la tête. Genre, pour les photos argentiques, je fais pas de retouches. Vraiment, c'est hyper rare que je fasse des retouches parce que je trouve que la photo est déjà bien comme ça et que c'est assez joli. Après, maintenant, je vous avoue que je fais beaucoup de photos à l'iPhone aussi parce que j'ai pas tout le temps mes argentiques sur moi. L'iPhone c'est vraiment comme ça, c'est instantané, tu le fais, voilà, et que la qualité est assez bien aussi. Mais j'aime bien donner un petit côté vintage aux photos quand même pour que ça ait une cohérence avec les autres photos que je poste, les photos argentiques que je poste. Du coup j'utilise l'application Tessa. C'est une blogueuse américaine qui habite à New York maintenant et qui a sorti son application parce qu'elle est photographe. En fait, elle fait plein de trucs. Elle est photographe, elle a créé un kit de collage, elle est musicienne en même temps, elle avait un groupe de musique avec son mec et tout. Enfin bref, elle est hyper inspirante. Du coup, sur son application, elle a mis des filtres aussi et je trouve que les filtres sont hyper jolis. Depuis que Tessa a sorti son application, j'utilise que ça. Donc je crois que l'application elle doit être payée en genre 2€. Mais vraiment, ces filtres ils sont trop beaux pour les couleurs. Je trouve qu'il y a vraiment un côté vintage. Elle a plein de trucs. Après, tu peux rajouter des petites poussières, des petits trucs. Voilà.
Je trouve que son application est assez complète, donc j'utilise que ça maintenant. Et sinon, de temps en temps, j'utilise VascoCam aussi. Aussi, un truc que j'utilise pour organiser mes photos, pour savoir ce que je poste à l'avance, c'est l'application Unum. Toutes les photos récentes que j'ai faites, je les importe sur l'application. Et tu peux choisir l'emplacement. Enfin, c'est vraiment hyper pratique comme application. Dans l'idée de pas poster tout le temps la même chose, en fait, genre des photos qui se ressemblent trop d'affilée. Voilà, moi j'utilise ça pour un peu prévoir ce que je vais poster, donc ça c'est vraiment pas mal. Alors j'ai oublié de vous dire, par rapport à mes lumières en fait, j'utilise ces deux spots de lumière qui sont à la base des spots pour mettre dans le jardin, genre en extérieur, sauf qu'ils sont hyper bien et c'est un peu pour faire les lumières d'ambiance que j'ai souvent derrière moi. Donc genre j'ai une télécommande comme ça. Et voilà, je peux mettre plein de couleurs différentes et je peux même régler l'intensité de la lumière. Donc c'est hyper pratique. Et après j'utilise donc ce panneau LED que je mets sur mon appareil photo, voilà, qui m'éclaire moi. Du coup il y a une batterie derrière qui se recharge. Et c'est assez pratique puisque je peux régler si je veux une lumière plus blanche, jaune. Et en gros ça éclaire hyper bien. Voilà. Je crois que j'ai tout présenté. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura peut-être motivé à découvrir la photo argentique ou même la vidéo casse-tête, je sais pas, voilà, si vous voulez vous y mettre. En vrai c'est pas hyper compliqué, il faut juste s'intéresser. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.